What's up tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Juste avant, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire hier sur Facebook et sur Snap. Malheureusement, j'ai plus de 3G sur Snap, enfin sur mon smartphone tout simplement, et donc je ne peux pas avoir accès donc à Snap lorsque je suis dehors. Donc ça c'est dommage, je peux pas vous répondre tout le temps en fait, donc ça c'est compliqué. Je tenais aussi à remercier lorsque je suis allé au lycée hier matin, il y a eu un abonné qui m'attendait donc du lycée et qui m'a offert des choses en fait, enfin des petits cadeaux. Ça m'a fait extrêmement plaisir, dont une lettre. Et ça m'a énormément touché. Donc c'est les écouteurs que je suis en train de porter ici. Bon, c'est voilà, c'est les nouveaux écouteurs d'ailleurs d'Apple, et que j'aime énormément. Enfin, que j'ai un grand kiff là-dessus. Et puis aussi donc d'Assassin's Creed. Voilà, un jeu qui m'a offert. Alors là, au passage, je vous fais afficher donc des nouvelles images. J'ai eu 15 nouvelles images de GTA V sur la plateforme PC. Et Rockstar n'ont pas annoncé de décalage. Donc le jeu GTA V sur PC sortira le 14 avril. En termes, alors il y a du nouveau en termes de résolution, de qualité d'image. Sinon, il n'y aura pas de grosse exclusivité comme on a pu avoir par exemple avec la PS4 et la Xbox One, en termes par exemple la vue à la première personne, qui était vraiment une grosse exclusivité et tout. Bon, là, il n'y a pas, voilà, c'est ces petits trucs-là, dont cette image-là, je vais m'arrêter, parce que c'est là où on peut voir vraiment la grosse qualité, bah, finalement, de pousser un peu, eh bien, on va dire, tous les composants électroniques, tout, voilà, tout ce qui va être la carte graphique, la carte mère et tout, enfin, ça va, voilà. Après, il faut avoir un bon ordinateur aussi, je suis d'accord avec vous, et ça va demander aussi, bah, un bon écran, hein, parce qu'il accepte la 4K, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la 4K, c'est la Ultra HD, à ne pas confondre. Eux ils disent 4K parce que c'est marketing, mais il faut pas confondre avec ce genre de choses. C'est la 4K, c'est 3800p environ, je crois, j'ai pas les chiffres exacts, mais en termes de qualité d'image, ça va être quelque chose que vous n'aurez pas vu auparavant. Si vous avez bien sûr l'écran adapté, donc la Ultra HD, si vous avez aussi un bon ordinateur avec des bons composants, eh bien vous pouvez voir finalement un autre jeu. Parce que moi je vous dis, hein, c'est juste, on regarde ce screen là avec Trevor donc sur la crosse, tu regardes comme ça, moi je me dis des fois, mais putain, j'ai l'impression que c'est un autre jeu. Voilà, c'est juste, voilà, la qualité d'image et tout, les textures en fait, elles ont été beaucoup plus travaillées, et puis c'est normal aussi parce que en termes de puissance, bah, voilà, ils peuvent beaucoup plus supporter les ordinateurs, je pense que ça peut donner du lourd. Et puis j'attends aussi les mods ou les trucs comme ça un peu, et bien tout simplement sur PC, parce que c'est quelque chose qui a énormément, on va dire, plu à la communauté, de pouvoir créer des mods et trucs comme ça, enfin voilà, parce que sur console c'est un peu plus compliqué. Et moi j'attends aussi ça. Donc le 14 avril les gens, voilà, merci pour tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi, de m'envoyer un snap, vous faites comme vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine. Peace out.